Mademoiselle, toujours rien à dire? Monsieur, je suis prête à coopérer. Si vous me permettiez de donner au moins de mes nouvelles à ma famille. C'est déjà quelque chose. Je vous apporte un téléphone. Sachez-le, vous n'avez le droit qu'à un seul coup de fil. Papa, non, Léon. Ça serait moins stressant. Entre un membre de la famille et un inconnu. Non. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Où allais-tu, Claudia? Où allais-tu? Seigneur, s'il vous plaît, que quelqu'un me tapote que je sorte de ce rêve. Fallon, tu es ravissante. Oh, merci. Sans te mentir, j'ai l'impression de vivre le meilleur jour de ma vie. J'appelais là mon ami Léon avec qui nous nous sommes engagés de quitter ce pays parce que menacé par une certaine dame de fer. Nom de Monica. Et là j'essaye de l'appeler. Il ne prend pas le téléphone. Que dis-je? Son numéro ne passe même. Écoutez, votre poursuite n'est pas à l'ordre du jour. Parlez-moi plutôt de votre réseau de faux papiers et de son étendue. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, madame? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je suis en train de vous dire que je ne connais rien, je ne sais rien. Je suis malé là-bas, on va te m'lo pour Kabanga du Bongo. Nasi Bito Lambo. Excusez-moi, madame, c'est... Ne vous fâchez pas, c'est le stress. C'est... Non, il faut juste comprendre, madame, que je n'en sais pas plus que vous. Écoutez, nous avons été dans le besoin et un contact a été établi avec un certain Bobby. Il était chargé de nous fournir des documents express moyennant un certain montant. Et là,
En fait, c'est tout. Un contact? Oui, Bobby. Et ce Bobby, est-ce que vous voulez nous mettre en contact avec lui? Écoutez, monsieur, ça fait bientôt 3 ans que nous nous battons à démanteler ce réseau. Bien que victime, que gagnerais-je à vous aider? L'allègement de votre peine, au mieux, votre libération. Et croyez-moi, je n'ai qu'une seule parole. Excusez-moi, ma soeur. Bonjour, mon frère. Ma soeur, vous faites l'église ici? Oui, pourquoi? Ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Et alors, il y a un souci? Au fait, je m'appelle Parfait. Et l'autre jour, en passant, je vous ai vu sortir de cette paroisse. Poursuivez. Et depuis ce jour, je ne cesse de penser à vous. C'est la raison pour laquelle je suis là. Quoi, papa? Ce n'est pas la poisse, ça. Si je comprends bien, tu essayes de me draguer. Non, non, ce n'est pas ça exactement, ma soeur. On dit souvent que le jour de la malchance, même la chèvre te mord. C'est donc quoi, mon père? Ma soeur, j'ai vraiment des sentiments pour vous. Je vous aime. Donc, de toutes les filles qui passent par ici, qui fréquentent cette paroisse, tu m'as vu comme ton genre, ton style, ta classe, mieux ton 2 à 5 avec cadeau. Ma soeur, tu... Qui est ta soeur? Va dehors te trouver à manger n'importe quoi. Ma soeur... Déposer. Avez-vous pu avoir quelque chose? Rien de concret, chef. Si je m'en tiens à mon intuition, ils vont nous conduire vers les faussaires. Mais ils sont innocents, ou du moins victimes de ce réseau mafieux. Vrai de vrai? Je vous écoute, chef. La suite semblait intéressante. Il m'a filé le contact de son fournisseur de fabricant de faux papiers. Alors, c'est à nous de faire une exploitation de fonds. Je pense que si nous menons cette affaire à bien, on pourra avoir une nouvelle promotion. Exactement. Et c'est quoi le plan? Premièrement, nous allons ressortir le listing des contacts liés à cette affaire. Ensuite, leur traçage nous conduira directement à eux, avec pour priorité le fournisseur connu. Et nos amis nous aideront à l'identifier. Enfin, le grappin les sera mis dessus. C'est vous le chef. Allez, cap sur l'opérateur téléphonique.
petite fleur. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ta tête pour que tu affiches ce regard. Narcisse, à vrai dire, cette nouvelle aventure amoureuse me perturbe un peu. Et pourquoi? Tu sais, vous les hommes, vous êtes tous malicieux, décevants, menteurs. Écoute, ne nous mélange pas tous dans le même panier, ok? Surtout pas moi. J'ai comme l'impression qu'un homme t'a déçu. J'aimerais bien savoir qui. Bonjour les filles. Bonjour. Excusez-moi, j'ai besoin d'un renseignement de toute urgence. On m'a fait comprendre que ce garçon est dans votre université. Vous le connaissez. Et qui est Patrick? Ne me dis pas qu'il est mort. Il n'est pas mort, mais tu le connais. Oui, c'est notre camarade de classe. Et à vrai dire, ça fait longtemps qu'il n'est plus venu au campus. Ça fait plus de 2 mois. Ça fait 2 mois, non, Célestine? Oui, je crois. J'ai rencontré un gars qui m'a bouleversée. Il m'a menti. Il m'a dupée. Et comme ça ne me suffisait pas, il a extorqué de l'argent à ma mère. Une énorme somme. Mon Dieu. Mon petit trésor, je te supplie. Essaye de laisser ce passé de toi de côté, d'accord? Je te promets que les choses ne seront plus jamais comme avant. Promis, juré. Regarde-moi encore dans les yeux et promets-moi. Fallon, je te promets. Alors, tu manges. Bon appétit. De cette liste, les victimes sont les numéros qui à un moment ont une intense activité et puis c'est arrêté. Vous n'aurez qu'à voir entre l'interaction de notre pigeon et de nos futurs clients de la zone de la 11e province. J'ose croire qu'après la mise aux arrêts de notre soi-disant pigeon Bobby, on devrait également traquer les soi-disant victimes. D'accord. Mais avant, essayons de localiser notre pigeon. Quelle mobilité, chef? Quelle mobilité? Ne voyez-vous donc pas qu'ils sont en train de nous compliquer la tâche? Comment ça? Je ne vois rien. Sa localisation est hors de notre juridiction. Aïe, sacré chien de Bobby. Mais chef, de toutes les façons, rien ne nous arrête après 3 ans de travail de laisser tomber. On doit foncer. Continuons les recherches. Coucou Mélion, fini les tracasseries pour envoyer l'argent en Afrique. Téléchargez l'application TapTapSend. TapTapSend est une application qui vous permet d'envoyer l'argent du Canada, des États-Unis, de l'Europe vers l'Afrique. Et quand vous utilisez le code FRACA237, ce code vous permet d'avoir 5 euros gratuitement, sans fournir le moindre petit effort. Je vous recommande vivement les services de TapTapSend.
télécharger. Vous m'en direz des nouvelles. Tu tapes et tu saignes les dos. Nous, on reçoit. Maman s'est trouvée à Paris. Celui-là que tu m'as imposé. Désolée s'il n'est pas riche comme nous croyons. Désolée s'il t'a dépouillé de ta richesse. Je n'ai pas pu faire le bon choix pour toi. Si tu m'avais laissé faire mon choix, j'aurais Fallon. Mon cher petit frère, je vois qu'appeler ta sœur unique est le cadet de tes soucis. Mais d'où te sors-tu cette idée, Fallon? C'est juste que j'ai voulu te laisser trouver un peu ce pourquoi tu es dehors, la paix de l'esprit. Laisse ça, dis-moi comment tu vas alors, il y a déjà un peu de l'ordre dans ton esprit. Ah, de mieux en mieux, ma sœur. Dis donc, je sens un peu de joie et de sérénité dans ta voix. C'est vrai qu'actuellement, je suis en harmonie avec moi-même. Amen, amen. Cet isolement m'a fait un grand bien. Raconte. J'ai rencontré quelqu'un qui est super gentil, agréable et mignon à la fois. C'est peut-être cool, Fallon. Mais pas de fornication et encore moins de précipitation pour quoi que ce soit. L'histoire avec Patrick et Jérémy devrait te donner une leçon. J'ai compris, au nom de Jésus. Si je comprends bien, vous portez plainte pour séquestration, enlèvement et meurtre à l'emploi d'une certaine Madame Monica. C'est exact, madame. Alors on va enregistrer votre plainte, on va vous auditionner et mettre un enquêteur sur votre affaire. D'accord. Lors de votre audition, n'oubliez aucun détail parce qu'au Cameroun, les affaires de meurtre sont prises très au sérieux. Vous pouvez compter sur mon entière collaboration. Merci pour votre patience. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, je vais raccourcir le chemin. Qui pourra refuser une telle proposition, surtout que ma voiture m'a lâché. Ok, entrez. Vas-y, je suis. Arista. Enchanté. Moi aussi. Vous êtes très jolie. Merci. Ok. On y va. Joris, mon fils. Ah, papa. Bonjour, fiston. Non, attends, tu as dormi à la maison? Joris, tu n'es pas en train d'essayer de traiter ton père de voyou, voyou? Non, papa. Afin de prolonger mes jours sur terre, je me dois d'honorer mon père par tous les moyens. Ainsi me recommande les Saintes Écritures. Tu as raison. Et ta soeur Fallon, elle est toujours là? Ça fait depuis, je ne l'ai pas vue. Fallon s'est déplacé, question de mettre ses idées au clair. Mais qu'à cela ne tienne, va bien. Et Claudia, où est-elle? Claudia a dit qu'elle avait besoin de se ressourcer, mais sans en dire plus. Ok, si elle va bien, c'est l'essentiel. Bon, papa, je dois courir, les frères m'attendent. D'accord, fiston. Allez, bonne journée. Bonne journée, vous.
Céline, bonsoir. On se connaît. Peut-être oui, peut-être non, ça dépend. Et de quoi alors? Comme la dernière fois, je suis venu pour te voir. Ah, ça me revient. Tu assistes tes heures ou quoi? Comme le dramador se vend partout, comme les bonbons, tu as dû en prendre assez pour avoir ce culot que tu as là. Céline, calme-toi. Pourquoi tu te méprends? Parce que je n'ai rien à cirer avec les drogués de ton genre. Bande d'idiot. Mais, Céline, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas le fils du richissime Tassa que tu traites de malchance? Que c'est qui m'a? L'hypocrisie vous donne quoi dans ce quartier? Qui ignore qui il est? Et de plus, très poli, respectueux, responsable. Le genre que toutes les filles aimeraient avoir, bien sûr. Tu exagères là, on dirait moi mais ta famille. Ok, comme tu ne me crois pas, c'est bien. Renseigne-toi sur deux ou trois. Ah, voilà! Frère Joris le connaît bien. Pardon. Pardon, je blaguais. Céline, l'apparence ne fait pas le moine. Je cherche une épouse, pas une épouse qui aime le matériel. C'est la raison pour laquelle tu me regardais et je t'ai vêtu n'importe comment. Je blaguais, pardon. S'il te plaît, pardonne ma soeur. Oui, s'il pardon. Te plaît, pardonne à ma soeur. Papa, pardon. Allô? C'est bien moi. Pardon? C'est qui le plaignant? Allô? Allô? Merde! De quel service s'agit-il? Il faut faire quelque chose et au plus vite. À l'allure où vont les choses, je n'ai pas droit à l'erreur. Bobby, je vais te voir tout de suite. Je crois que j'ai bien compris la leçon. Où cette histoire d'église ne me sert à rien. Me porte la poisse. Prends mon temps. Est-ce que mes aïeux m'ignoraient ainsi? Je ne pense pas. Ok. Puisqu'il en est ainsi, adieu l'église. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, j'utilise les produits de chez Camoise Beauty, faits à base d'intrants naturels et organiques. Camoise Beauty ne décape pas quand on se balade dans l'ombre de la mort. Avec Camoise Beauty, on ne craint aucun mal. Vous pouvez faire un tour sur notre site internet www.camoisebeauty.com pour acquérir nos produits ou encore vous diriger directement chez nos représentantes. Nous avons des représentantes au Canada,
aux États-Unis, en Belgique, en Italie, en Allemagne et au Cameroun. Millions et millions, satisfaction garantie. Peu importe le problème de peau que tu as, Camoise Beauty, l'essayer, c'est l'adopter.